Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Alors aujourd'hui, plaisir, je veux bien, mais potager, mais alors pas du tout. Si vous voulez une vidéo de jardinage, eh ben vous pouvez arrêter tout de suite et regarder les autres vidéos sur la chaîne, parce que là, c'est juste une vidéo. Ensuite, c'est la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a une semaine ou deux sur mon livre de jardinage préféré, et où je vous avais dit que je vous parlerais de mon roman préféré. J'avais fait, je vous avais fait un petit concours, c'est pas un concours, j'avais pas dit du tout que c'était un concours, j'avais dit ben, premier qui trouve la bonne réponse, mon roman préféré, ça sera bien pour lui. Je crois que c'est Manuel, je voudrais pas dire une bêtise, voilà, qui a trouvé. C'est effectivement La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. On le voit pas trop, je crois que je vais mettre un petit truc ici. La Horde du Contrevent. Bravo Manuel, tu gagnes une formation, oui, un accès gratuit à une de mes formations en ligne. Je te laisse choisir. Tu me diras laquelle tu préfères. Alors, reparlons de ce bouquin. Alors ce bouquin, je l'ai découvert il y a peut-être 5-6 ans. Depuis, je l'ai lu 3 fois. Comme vous imaginez, j'en suis vraiment grand fan. Alors qu'est-ce que ça raconte, La Horde du Contrevent? Alors déjà, c'est un petit peu de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, c'est pas trop du Zola ou du Victor Hugo, hein. Mais cela dit, au niveau de la plume, c'est bluffant. Mais déjà, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est l'histoire, ça se passe dans un monde qui est battu par les vents. Il y a sans arrêt, un vent qui vient, je crois, d'ouest en est, et qui balaie ce monde imaginaire. Et depuis 800 ans, si je me souviens bien, à peu près à chaque génération, tous les 20-25 ans, la ville principale, qui est tout en amont du vent, qui est au sommet d'une falaise immense, dont on ne peut pas atteindre le sommet, cette ville-là, elle forme ce qu'on appelle une horde de hordiers, c'est le cas de le dire, pour les envoyer remonter le vent jusqu'à l'extrême amont, pour essayer de découvrir l'extrême amont. Pour l'instant, aucune horde n'a réussi à l'atteindre, et cette horde que l'on va suivre dans ce roman, c'est la 34e, c'est paraît-il la meilleure, et c'est celle qui est la plus capable d'atteindre l'extrême amont. Alors qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce bouquin? Alors, par quoi je commence? Alors déjà, cette horde est composée de 23 membres, si je me souviens bien, sinon j'écrirai ici le vrai nombre. 23 membres qui racontent en alternance leur aventure. Et c'est ce qui est vraiment très fort dans ce bouquin, c'est que chacun des membres de cette horde a sa personnalité bien à lui, a son style bien à lui, et est tout de suite clairement identifiable en quelques lignes. Bon, après cela dit, quand on commence à parler, il y a écrit qui commence à parler, donc c'est pas forcément très dur. Mais comment dire, chacun a vraiment son style à lui et a sa manière à lui de voir cette aventure. Et ça m'a tout de suite captivé dans le roman. Et après, il se passe des choses vraiment passionnantes. Il y a toute cette manière de décrire le vent. Alain Damasio maîtrise vraiment vraiment bien sa plume. C'est super bien écrit, et en plus il se passe des choses plutôt passionnantes, et pas que au niveau des actions et des péripaties, mais également dans la tête des personnages et dans leurs relations entre eux, et dans cette manière de voir le vent, cette manière qui évolue au fil du roman. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce bouquin, Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Alors voilà, c'est mon bouquin préféré, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. C'est mon bouquin préféré, mais allez, mini parenthèse, c'est pas celui que j'ai lu le plus dans ma vie, celui que j'ai lu le plus, c'est celui-ci. Replay, pareil, ça se voit pas, je le mettrai en gros. Replay de Ken Grimwood. Alors là, c'est carrément autre chose. Je regarde derrière, mais non, il n'y a même pas écrit le résumé. Alors, Ripley, imaginez, vous avez 50 ans, et vous mourrez d'une crise cardiaque, et vous vous réveillez à 20 ans. Vous vous réveillez dans votre corps de quand vous aviez 20 ans, et vous vous réveillez à l'époque, vraiment, où vous aviez 20 ans. Et donc, avec quoi? Avec la connaissance de tout ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent. Et donc avec, qu'est-ce que vous feriez si vous réveillez
dans votre corps de vos 20 ans, en sachant tout ce qui va arriver dans le monde, dans votre vie déjà, et dans le monde en général. Ben voilà, ça donne des possibilités qui sont immenses. Et tout ça est exploré à fond dans ce roman, voilà, Ken Grimwood, Ripley. Un super roman aussi, vraiment chouette, chouette, chouette à lire. Celui-là, j'ai dû le lire au moins, je l'ai découvert il y a quoi, ça doit bien faire une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il est sorti, mais c'est quelque chose comme ça. Et j'ai dû le lire 6 ou 7 fois dans ma vie. Tous les 2, 3, 4 ans, je le relis. parce que j'ai une petite mémoire et j'oublie. Et puis voilà, c'est un plaisir de se relire le bouquin comme on se referait notre vie, si ça nous arrivait. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo 0%, mais vraiment 0% potager. Je pense à un petit truc, j'ai quand même oublié de vous montrer la vidéo que je voulais vous montrer comme indice. En fait, je vous avais montré une petite vidéo où il y avait un tout petit peu de vent, c'était un peu gentil. En fait, on va se quitter là-dessus sur la vidéo que j'aurais voulu vous montrer, mais je ne l'avais pas retrouvée à l'époque, que j'aurais voulu montrer il y a 10-15 jours. Et donc voilà, on se quitte sur cette vidéo où il y avait vraiment un super vent, vidéo que j'avais enregistrée, si je me souviens bien, pour la formation, et du coup, je tutoie mon auditoire, mais ne vous en offusquez pas. Et puis on se retrouve très très bientôt pour revenir un petit peu plus du côté du potager. Merci beaucoup, à très bientôt, et je vous dis bonne soirée, parce que pour moi, le soleil va se coucher. Salut, salut. Bon, il y a une grosse tempête qui s'annonce. J'ai oublié le micro, donc je crie comme un fou pour que ce soit le micro là-bas qui m'entende. Moi j'adore ce temps, j'adore le vent comme ça, c'est trop bien. Il y a des éclairs, il y a du vent, c'est trop bien. Et il commence à pleuvoir. C'est super. Je vais quand même éviter de me prendre un gros éclair sur la tête. Ça serait dommage pour la suite de cette formation. Et donc, je rentre vite. Je rentre à la maison pour te parler des vacances. Beau petit paysage. La lumière, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air pas mal. Mais donc voilà, c'était pour te dire que je pense bien à toi avec ce temps. C'est trop bien, j'adore ça. Mais je vais quand même rentrer vite fait pour faire la suite tranquillement sur le canapé ou je sais pas où. À tout de suite.